Qu'est-ce que tu vas, Benj? T'as un sourire, c'est bon que t'es dedans. Où est-ce qu'on va? Je sais pas. Ok, fais. Annie, vas-y, explique-moi qu'est-ce que tu as trouvé. Ça, c'est des champignons avec des écailles. Comment il s'appelle? Le polypore? Polypore écailleux. Oui. Il fait ça tout seul. Ouais. Où est-ce qu'il poussait? Il poussait sur les troncs. Non, il est en fait plus comme ça. Ah! Très bon comestible. Très bon comestible. On va le mettre dans notre petit sac de champignons. Écailleux. Comme ça. Buzz, t'as-tu trouvé des champignons? En tout cas, il y a beaucoup de maringouins. Je m'en vais, mère Mélanie. Elle a dit qu'elle a fait une belle petite trouvaille. Le boss, il est là. Le boss, il cherche les perdrix, hein, boss? Ouais. Ah, c'est... Je crois, si je ne me trompe pas, c'est mon arbre. Ben, regarde, on va regarder via le GPS. Regarde, ça, c'est... Ah oui, regarde. Nice. Il y a plein de pousses qui s'en viennent. Mm-hmm. Tu regardes, là. C'est un que j'avais cueilli, celui que j'avais cueilli. Si on regarde, là, des pousses ici. Pas besoin d'aller proche. Ah, okay, bon. Des pousses ici, ici. Des jeunes ici. En arrière, ici, c'est plein. Okay. Ça, c'est trop jeune, mais ceux-là, on peut les cueillir, ça peut être des bons. Si je regarde au niveau du GPS, là, pas mal sûr que c'est mon arbre. Non, même pas. Même pas? Même pas. Donc juste celui-là, tout en faisant attention, ça va être très bon. Un petit jeune comme ça, c'est un peu jeune par exemple, ceux-là, mais on va les prendre quand même. C'est sûr que le pied, on ne le mange pas, il est assez résistant. Mais le polypore écailleux comme ça, quand il se coupe au couteau, là, doucement, doucement, quand il est jeune, c'est excellent, c'est un excellent comestible. On va juste les mettre. Les autres, on sait qu'ils sont ici. Quand il va pousser, il va être comestible. Okay. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer dans le GPS l'endroit. Il est marqué au niveau du GPS. Félicitations, madame. Merci. Ça fait deux tailles que tu trouves, oui, là. Oui, oui. Regarde l'arbre, comment il est beau, ça, là. Là, à côté. Ouais. Superbe, hein? Très belle. À base. T'aimes ça, base? Champignon? T'as comme une oreille en envers. Deux. OK. On retourne, on essaie d'en trouver d'autres. Il y a plein de fougères. Ça, c'est des champignons. Il y en a des gros là, mais je pense pas que c'est mangeable. Ben, on en a un ici. Un ici. Un ici. Un ici. C'est vraiment plaisant de se faire attaquer par des moustiques. Hey, bud. Oh, nice. Ouais, mais... Est-ce que c'est correct ou il faut oui, se filmer? Un peu gros, celui-là. Un peu gros. Il est trop en activité. Trop. Ceux-là, par exemple, sont beaux. Ils sont parfaits. Parce que des matures, on n'aime pas ça, hein? Bien, on parle de quand c'est en haut de 15 à 20 cm, là, c'est préférable de ne pas les manger. Ils peuvent être trop rigides. Ça, c'est une belle grandeur, ça. Ah, t'as parlé. Et ça me rentre dans les oreilles, là. C'est pas plaisant. Il y en a un petit aussi, tu vois, tu sais? Ouais. On va le garder. C'est quoi ce gros champignon, là? Ça, c'est un... Ça ressemble vraiment à un polypore, mais... C'est pas la sorte exactement. On va aller voir si on a pas la souche. Ah,
D'accord. Parce que toi, elle est droite. Un immense. Prolifore écailleux, il sera pas comestible, mais on va aller le voir. Question de voir. Regarde ça. Il y en a des tout petits, mais je vais vous montrer l'autre côté. Ça, c'est des beaux comestibles, mais l'autre, c'est des méga, ils sont superbes. Ça, là, regardez ça. Va à côté, mes amis, montre la grosseur. Je vous montre la grosseur? Ben, non, mais toi à côté, pour monter, comment c'est big. Comme vous pouvez constater, c'est plus gros que ma botte. C'est incroyable. Mais si on regarde, on a des beaux sujets là en entour. Ils sont bien gros, on peut les laisser? Non. Non, c'est pas dommage. On va le laisser après. Mais ça va avoir une belle photo, c'est raison. On va juste. Regarde, la caméra est pas droite. Je crois que mouiller la caméra. On va l'arrêter. On va l'arrêter. Ici, c'est le petit lac. Oui. Tant de crains. On est plein, regarde. On est tout plein. Go. Bon. Ça, c'est tout un dilemme mental. Est-ce que la caméra voit la marmotte? Est-ce que Sarah rencontrera Georges ce soir? Oui, à Z Télé, non. Canal V, ou je sais pas. Moi et compagnie.